Donc, désirez-vous que je fasse la lecture des conseils en anglais ou en français? En français. Donc, chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent pas poser des questions pendant cette période-là. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période, vous serez annoncé à l'aide de cette cloche. Et lorsque la période non protégée sera terminée, je sonnerai la cloche encore. Les juges ont la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Les juges devront se limiter à 15 secondes pour poser leurs questions. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à une question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser de questions sur un sujet ayant été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période à la fin de la présentation. Les deux dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Puis, je vous montrerai les cartons durant la présentation quand il va rester 12, 7, 2 minutes et 30 secondes. Puis, après, je vais faire des comptes si c'est le cas pour les 10 dernières secondes avec nous-mêmes. Une présentation, une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Puis, je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et je mettrai le juge à se présenter. Oui, bonjour. Jean-Luc Deschamps, VP Finance chez Solotech et ex-VP Finance au sein de Solotech. Bonjour, Marie Ferron, je suis analyste principale pour la division de casting et performance au CIRC. Annie Lavoie, je suis company manager de Corteo, un spectacle d'aréna du Cirque du Soleil. Fanny Pagé, chef de la gestion des artistes au CIRC. Nathalie Mercure, directrice des communications internes au CIRC. Quand vous êtes prêts. Je pense que la réputation du Cirque du Soleil n'est plus à faire. Quand on entend Cirque du Soleil, on pense à une expérience, à l'innovation, à la créativité. Aujourd'hui, on veut aller une touche plus loin. Parce que vos employés, en ce moment, ont des excellentes conditions de travail. On le sait, vos RH, vos nombreux programmes. Mais on veut pas passer de avoir une belle condition de travail à avoir une expérience au travail. Aujourd'hui, on vous montre différentes stratégies qui vont amener ces employés-là à sentir vraiment un plus grand sentiment d'appartenance. Non pas au sein de leur équipe de travail, mais au sein de l'organisation internationale du Cirque du Soleil. Donc, je me présente, Félix-Antoine, accompagné de mes deux collègues, Catherine et Marianne. Nous sommes CMF consultants. Notre mandat aujourd'hui, c'était d'assurer une meilleure synergie au sein de votre entreprise. On s'est donné un délai de 3 ans pour y arriver, pour opérationnaliser chacune des parties de notre stratégie.
Donc aujourd'hui, nous allons voir avec vous les objectifs que nous avons ressortis de ce mandat. Par la suite, nous allons passer à l'analyse de l'entreprise ainsi que de l'industrie qui l'entoure, pour ensuite venir vous démontrer la stratégie que nous avons élaborée pour vous, puis comment l'implanter tout en paisibilité. Donc, tout d'abord, notre premier objectif, c'est de favoriser la communication de vos membres, non seulement les membres d'une simple organisation, soit à Montréal ou à Las Vegas, mais également entre eux, entre Montréal et Las Vegas, donc à l'international. Ensuite, nous voulons encourager la compréhension de la réalité de chacun. On veut qu'ils comprennent pourquoi cette personne-là a sa place dans l'industrie. Ensuite, on veut renforcer la culture organisationnelle que vous avez. Donc, tout d'abord, pour l'analyse de votre entreprise, nous avons plusieurs choses à valoriser. Tout d'abord, vous avez un excellent capital de marque. Vous avez également une très bonne logistique. C'est très compliqué de faire des tournées avec des chapiteaux comme vous le faites et vous le gérez très bien. Ensuite, vous avez une présence internationale bien remarquée dans plusieurs pays, donc c'est vraiment très important de viser là-dessus. Également, vos ressources humaines, on l'a mentionné et on le rementionne, vous avez des bonnes ressources humaines, vous avez des bons programmes bien implantés, donc on continue comme ça. Ensuite, par contre, ce qui est à surveiller, vous nous l'avez mentionné, la communication, des fois il y a un petit bémol, donc ça, faut vraiment travailler et chercher des solutions. Et également le coût des installations, bien sûr, vos installations, comme on dit, la logistique, ça vient coûteux, donc des fois, il faut faire attention. Au niveau de l'industrie maintenant, vous avez plusieurs opportunités, entre autres de partenariats. Vous êtes une belle entreprise, très bien connue, donc vous avez plusieurs partenaires qui seraient enclins à travailler avec vous, donc c'est des belles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Également, la technologie de communication qui est de plus en plus valorisée et de plus en plus connue et développée à ce niveau-là, c'est des opportunités qui pourraient venir répondre justement à un nouveau problème. Ensuite, ce qui est à surveiller, c'est la dilution de votre image de marque. Donc, par là, ce qu'on entend, c'est de ne pas essayer de se lancer à faire des petits spectacles trop facilement et de perdre un peu la belle image de marque que vous avez du grandiose afin que cette image reste grandiose, justement. Vous nous avez donné un mandat qui était quand même assez large aujourd'hui, améliorer les ressources humaines du site du Soleil. Au début, on s'est dit comment on pourrait améliorer ça du point de vue micro, soit en modifiant peut-être votre module de communication ou quoi que ce soit. Puis, on s'est demandé, est-ce qu'on est meilleur que 4000 personnes pour faire votre gestion au quotidien? Malheureusement, non, on n'a pas la prétention de le faire. Par contre, on a la prétention de vous dire qu'on va vous amener des idées qui vont aller plus loin et qui vont favoriser l'ensemble du groupe plutôt que la gestion quotidienne du cycle. C'est pourquoi aujourd'hui, on vous présente la stratégie optimale pour vos ressources humaines qui est basée sur les 3 C du cirque, la culture, la communication et la compréhension. Par la suite, on va bien sûr passer par la gestion de risque. J'ai commencé par la première stratégie aujourd'hui, soit la culture. Ici, c'est vraiment important de venir consolider la culture que vous tenez au sein de votre entreprise et ce, tout au long de vos équipes, dans le fond, à l'international. C'est pourquoi on s'est dit, avec tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, tous les spectacles de grande envergure que vous organisez, vous avez vraiment une grande richesse dont il faut capitaliser, dont il faut se baser. C'est pourquoi on vous propose de organiser un spectacle qui va regrouper tous les numéros coup de cœur de toutes les scènes que vous avez organisées jusqu'à présent. Non seulement on vient vraiment chercher le cœur de chacun de vos fans qui vont avoir le plaisir de revivre les moments qu'ils ont le plus appréciés, mais aussi on vient chercher la passion que chacun de vos employés y ont vécu en organisant les meilleurs moments de leur carrière. On organise ça une fois par 3 ans. On a décidé cette durée-là étant donné que vous organisez 2 spectacles aux 3 ans. Nous, on s'est dit pour la 3e année, pendant la période que vous n'en avez pas, on pourrait l'organiser. C'est sûr que vous avez déjà tous les employés, la formation déjà faite, les installations vous avez déjà. On ne dit pas qu'on veut diminuer l'envergure, mais au moins, ça va être plus facile de l'organiser étant donné que vous avez déjà des ressources à portée de main. De plus, on va l'organiser à Montréal et à Las Vegas. Pourquoi ces places-là, étant donné que c'est vraiment les endroits que vous avez des installations pour organiser des spectacles fixes, et d'autant plus que c'est vraiment des endroits que c'est très populaire au sein de la ville. Et de plus, c'est 16 représentations, donc 8 à Montréal et par la suite, 8 à Las Vegas. Ce qu'on met ici, comment on va venir choisir en particulier les artistes?
Premièrement, vous autres vont pouvoir postuler à même votre plateforme interne que vous avez en ce moment à votre duo. Alors, vous allez pouvoir cumuler toutes les candidatures. Mais d'autant plus, il faudra prendre en considération, bien entendu, tout ce qui est la logistique, étant donné que les installations, s'il y a des numéros que, bien entendu, on comprend qu'ils sont plus compliqués à installer, il faut quand même avoir un certain fil conducteur à travers chacune des scènes. D'autant plus qu'il y a toute la partie logistique derrière chacun des horaires que les artistes possèdent. Alors ça, il faut prendre en considération. Et de plus, on veut aussi prendre les artistes qui se sont le plus démarqués, vraiment venir féliciter ceux qui ont su faire preuve d'innovation, qui ont montré vraiment une certaine... on peut les récompenser pour avoir s'être bien investi. C'est vraiment une sorte de récompense, autant d'un point de vue à l'interne de promouvoir un numéro qui nous a plu, autant à l'externe, c'est vraiment une joie de pouvoir rejouer un numéro qu'on sait que la population a vraiment apprécié. Par la suite, on a aussi pensé à faire des enregistrements vidéo de ce spectacle-là pour ainsi les publiciser au sein de votre entreprise, auprès des employés. Vraiment, c'est une fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure, de participer à un tel numéro d'une si grosse envergure. Et on peut aussi, bien entendu, en faire la vente auprès du public, étant donné que tout le monde souhaiterait revoir un résumé de tous ces beaux spectacles-là. Et vendre à des plateformes de streaming, par exemple Netflix, étant donné que c'est vraiment une grosse sans popularité en ce moment. Alors ça pourrait être intelligent, pertinent de faire un partenariat avec de telles plateformes. Au niveau de la distribution du profit, on ne parle pas d'un spectacle qui est là pour faire du profit. C'est une fois par 3 ans, ça dure un mois, on veut le rentabiliser. Par contre, le profit, ça va aller à Cirque du Monde, votre fondation. Le but, en fait, c'est de maximiser l'intérêt des parties externes à venir assister à ce spectacle-là, de faire rayonner l'image de marque, puis d'assurer une contribution sociale du Cirque du Soleil, comme vous le faites déjà actuellement. Donc vraiment, ce qu'on vient faire ici, c'est de féliciter les employés, les permettre de se soutenir, de faire rencontrer des gens qui viennent de tournées, par exemple, en Chine et aux États-Unis, puis les mettre dans une même tournée à un moment précis. Donc, d'apprendre à connaître un peu tout le monde qui gravite autour de l'organisation du Cirque du Soleil. Puis, donc, comme je viens de résumer un peu, la valeur ajoutée, c'est la création d'une culture de collaboration au sein de votre entreprise. C'est l'apprentissage auprès des autres. Donc, qu'est-ce que les autres font bien et qu'on pourrait ramener dans notre propre spectacle? C'est l'amélioration de l'image de votre marque. Puis, c'est aussi une bonne visibilité auprès des parties externes. Donc, maintenant qu'on a vu comment un peu renforcer la structure culturelle de votre organisation, voyons un peu comment aller chercher la communication qu'on a parlé plus tôt. Tout d'abord, c'est bien sûr dans l'esprit de la favoriser au sein de toute l'organisation. Donc, nous, ce qu'on a pensé, c'est de créer la messagerie Grommelot. Pourquoi Grommelot? Parce qu'on veut inciter les gens à venir parler expressément et aisément à tous. Donc, ça serait une messagerie instantanée qui permettrait également des vidéoconférences et des appels par Internet, ainsi que cette messagerie serait bien sûr accompagnée de notifications, mais toujours avec l'option silence. Pourquoi silence? Bien, on ne veut pas que les employés se sentent emparés par leur travail. Ils ne veulent pas être toujours importunés. Ils ont le droit d'avoir leur vie privée. On ne veut pas les déranger constamment. Donc, ça, c'est vraiment une option qui est importante, un peu dans le style de Messenger de Facebook. Donc, les objectifs de cette messagerie-là, c'est de permettre aux gens d'organiser des activités entre eux. On veut qu'ils puissent faire des communications de groupe, mais également individuelles, donc des messages simples entre eux et, bien sûr, en équipe pour se stimuler et s'encourager. Donc, on veut ainsi les encourager à utiliser votre intranet. Ce serait une plateforme qu'on aimerait tout simplement l'ajouter. Donc, la valeur ajoutée de la messagerie Grommelot, c'est bien sûr la diminution des formalités telles que les courriels. On a toujours un bon « bonjour, madame » et à la fin, une belle formalité. Mais ici, on vient l'enlever. Ça vient faire ça un peu plus simple. On vient rendre les communications plus efficaces entre les membres. Et on vient renforcer le lien entre eux puisqu'ils ne sentent pas la pression de devoir, bien sûr, avoir cette formalité qui est toujours présente. Par la suite, maintenant qu'on a apporté un outil de communication un peu moins informel, on vient proposer un nouveau poste, en fait. Il s'agit d'un coordonnateur de communication. Ce coordonnateur serait responsable des relations des équipes et entre les différentes équipes. Donc, la personne serait constamment là, en fait, pour
aider à la communication que vous avez des fois la difficulté à coordonner. Donc, le principe ici du téléphone rouge, c'est vraiment faire l'image un peu dans un film où ce qu'on a le téléphone rouge, la personne qui doit répondre absolument au téléphone parce que c'est important. Donc, c'est un peu ce principe-là. Le poste, en fait, le coordonnateur devrait être accessible en tout temps. Donc, les critères d'embauche pour ce fameux coordonnateur, bien, c'est sûr qu'il faut une aisance sociale. Il va être amené à parler à plusieurs personnes de différents lieux. Ensuite, il doit avoir la ferveur au travail, parce que comme j'ai dit, on cherche quelqu'un qui va être disponible tout le temps. Donc, il doit vraiment avoir un engouement pour ce poste. Il doit se dire, moi, c'est quelque chose qui me tente. J'adore mon travail et je veux m'impliquer à 100%. Également, il doit avoir une bonne compréhension des TI, puisqu'il va travailler beaucoup avec les outils informatiques. Une expérience en gestion d'équipe, encore là, parce qu'il va être amené à travailler avec plusieurs personnes. Donc, on cherche vraiment quelqu'un qui va être à l'aise. Et bien sûr, encore là, bilinguiste, puisque comme on dit, vous êtes à l'international, donc ça va être important qu'il puisse parler quelques langues. Donc, la valeur ajoutée de ce coordonnateur est une amélioration de la communication formelle. Comme j'ai mentionné, celui-ci, il va être là vraiment pour répondre aux plus grandes problématiques. Donc, il y a le petit Cromello qui va être plus pour les messages plus faciles et celui-ci pour les gros messages. Ensuite, nous avons un meilleur sentiment d'être écouté en situation de gros problèmes. Cette personne-là est là pour vous. Et il y a une meilleure circulation de l'information importante entre les différents emplacements. Maintenant, on va prendre un petit moment pour tout récapituler qu'est-ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Pour commencer, avec qu'est-ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, c'était vraiment important de mettre en valeur la belle culture que vous occupez en ce moment au sein de votre entreprise. C'est pourquoi on voulait vraiment mettre ça utiliser ça et dans le fond, c'est pour ça qu'on avait conçu le spectacle qui regroupait l'ensemble des 5 coups de cœur pour autant venir, comme je l'expliquais, rechercher les employés, l'équipe, qu'autant les spectateurs pour vraiment venir enrichir, valoriser la belle culture que le Cirque du Soleil vous occupez au niveau international. Par la suite, le plan de communication, vous avez vraiment, comme on l'a dit, la plateforme est super belle, est très complète à tout ce que l'interaction que les employés peuvent avoir. Toutefois, vous l'avez exprimé, il y a quelques problèmes que des fois les employés, vous avez de la difficulté à les rejoindre. Nous, on s'est dit, on va venir bonifier ce que vous offrez déjà en vous proposant la plateforme Gromlo pour ainsi faciliter les échanges et d'un point de vue un peu plus amical entre les employés. Maintenant, pour le dernier C de notre stratégie, c'est la compréhension. Le but ici, c'est vraiment d'encourager la compréhension de la réalité de ce que chacun des employés au sein de votre entreprise vit. Et là, on s'est dit, dans quelle situation chacun d'entre nous, on est poussé à vouloir en apprendre davantage sur l'autre personne. Et là, c'est né à l'idée pour nous, ça nous est revenu les moments de les blind dates. Qu'est-ce qu'on veut dire les blind dates? C'est les moments où on se dit, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et l'effet de tout le mystère qui englobe ici, c'est ça qui nous pousse encore plus à en apprendre davantage de ces personnes-là. Alors, quand on se dit les blind dates du fameux Cirque du Soleil, ça va vraiment être des rencontres virtuelles que les personnes de leurs employés, dans le fond, ils vont être regroupés, différentes locations dans le pays, ils vont pouvoir partager leur expérience. Alors, ça va vraiment être de différents départements. Il y aura, c'est vraiment des personnes qui vont d'une base volontaire, vont s'asseoir chacun dans une salle, on va leur servir un repas pour ainsi avoir l'effet d'être ensemble, à souper, même si avec la distance, ils sont séparés, étant donné qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir les technologies qui viennent toutes faciliter ce point de communication-là. Et il y aura un maître de discussion. Ça va vraiment être quelqu'un qui va avoir un certain leadership, qui va être capable de bien contrôler et orienter la discussion envers les différents participants. La fréquence, c'est vraiment une rencontre. Excusez-moi, il y a un petit coquille ici. C'est une rencontre par semaine. On sait que c'est vraiment fréquent, mais à la quantité d'employés que vous avez présentement, on ne voulait pas non plus que ça s'échelonne sur une durée de 20 ans. Donc, ça faisait 200 participants par année. Et la durée environ, on ne voulait pas non plus que ça s'éternise trop puis que ça leur prenne trop de temps pour chacun de vos employés. On sait qu'on aura à charger. C'est environ d'une heure et demie qu'on vous propose. Ici, on vous a fait dans le fond un petit schéma de qu'est-ce que ça pourrait ressembler. Différents employés que vous pouvez voir. Et on a mis des différentes locations, comme on l'a dit, on sait que vous avez différents employés, autant à Vegas, à Vancouver, au Japon, en Asie et en Europe. Et on a spécifié ici que ça pourrait vraiment être différents départements, pas seulement juste les artistes qui communiquent ensemble, pas juste le département administratif, mais vraiment tous les départements, afin de partager qu'est-ce qu'ils vivent et de mieux comprendre leur situation chacun propre à eux. Par la suite, on vous a établi un petit ordre du jour de qu'est-ce que ça pourrait ressembler, ces fameux blind dates-là. Alors, il y a bien entendu le mot d'ouverture par le maître de discussion.
et on vient encourager par la suite les participants à se présenter de façon individuelle, de rencontrer, de présenter leur expérience, raconter qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment, des petites anecdotes, puis autant des expériences qui peuvent être positives que négatives, étant donné que ça peut venir vraiment être constructif pour les autres employés, leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Et par la suite, ça peut aussi les aider pour des améliorations des conseils de leur part de leur père. Qu'est-ce que ça vient ajouter, ces fameuses blind exits? C'est vraiment, comme on l'a dit, le but ici, c'est de comprendre la réalité que chacun vit au sein de votre entreprise, et ça, peu importe les départements. On veut qu'il y ait vraiment une circulation d'informations, qu'il y ait un partage. Aussi, un peu, le sentiment d'appartenance. Les employés sont fiers de travailler au sein de votre entreprise, et on veut les encourager à communiquer ce désir-là entre eux. Et bien entendu, on apporte du soutien. Alors, si quoi que ce soit, c'est des personnes qui ressentent le besoin d'avoir le soutien, d'avoir des petits conseils, c'est vraiment la plateforme qui va être des occasions de partager ces questionnements. Au niveau de la blind date, c'est un peu comme on parlait avec Romelot, c'est plutôt informel. C'est plutôt pour faire un sentiment d'appartenance, communiquer de l'information générale, apprendre à se rencontrer et avoir un attachement pour l'organisation. Par contre, on veut aussi formellement encourager les échanges d'informations pour améliorer vos opérations. Ce qu'on pense faire, c'est qu'avec votre siège social et Vegas, qui auront quand même certaines ressemblances au niveau des tâches, on veut faire des échanges d'une durée de 2 à 3 semaines, environ 4 fois par année, donc un employé qui part de Vegas pour venir à Montréal, un employé qui part de Montréal pour aller à Vegas, pour aller apprendre un peu qu'est-ce qui se fait bien à l'autre endroit, comment ça fonctionne, qui est présent, quelles sont les tâches de chacun, pour, dans le but, encore une fois, d'améliorer le sentiment d'appartenance, de trouver peut-être dans le futur un travail, dans le fond, l'évolution dans l'entreprise aussi, de leur donner un emploi supérieur pour qu'il y ait une meilleure compréhension d'ensemble. Donc j'ai donné un participant, je m'excuse, on parle de 8 participants, donc 4 participants de Vegas, 4 participants de Montréal. Et au niveau de la valeur ajoutée, donc comme on disait, on améliore les procédures administratives, on intègre la culture de l'entreprise dans les deux organisations. On crée du réseautage, donc l'attachement vers l'entreprise, et ça nous fait une planification de la relève pour le futur du cirque seul. Maintenant qu'on vous a parlé de nos trois volets, la culture, la communication et la compréhension, c'est sûr qu'il y a certains risques associés à cette stratégie. Premièrement, le spectacle Best Of, qui va certainement représenter un gros investissement, vous le savez, vous en avez organisé plusieurs des spectacles, pour avoir de la non-profitabilité. Par contre, la profitabilité, c'est vraiment pas l'objectif numéro 1 du spectacle. L'objectif numéro 1, c'est d'améliorer les ressources humaines, puis de faire rayonner le cirque à l'externe. En plus, en ayant une bonne stratégie marketing, une fois par 3 ans, le grand best-of du Cirque du Soleil pour 16 représentations, je pense pas que vous allez avoir vraiment de difficulté à remplir vos salles dans ce cas-là. Ensuite, si les employés ont moins d'intérêt à participer aux échanges blind dates, c'est possible d'encourager les employés à participer pour des opportunités de développement, pour qu'il y ait une meilleure compréhension de l'ensemble de l'entreprise. Puis, bien sûr, les employés vont être intéressés à le faire, parce que c'est le fun de découvrir de nouvelles cultures, comment l'emploi de chacun fonctionne. Donc, je pense qu'on croit fortement qu'il va y avoir un intérêt pour ça. Puis, la sous-utilisation de Gromelot, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un intérêt autant personnel que professionnel. Donc, on le sait, vos équipes de travail ont congé lundi. S'ils veulent s'organiser un voyage dans une autre ville ou un souper au restaurant un soir ou quoi que ce soit, ils peuvent utiliser Gromelot à l'externe du travail dans des communications plus informelles. Puis, on cherche aussi une application qui est très simple à utiliser comme Messenger. Donc, facilement, on ouvre notre cellulaire, ça prend 1 minute. Donc, normalement, ils devraient l'utiliser. Pourquoi Gromelot? Je m'excuse. Spécial comme nom, fait, est-ce qu'il doit avoir une raison? Il y a effectivement une raison. Gromelot en théâtre et en cirque, en fait, c'est utilisé pour les comédiens qui n'utilisent que des onomatopées pour exprimer des émotions fortes. Donc, nous, on veut quelque chose de très rapide, très punché, mais qui sert à communiquer efficacement au sein de l'organisation. Maintenant qu'on a passé au travers de la stratégie, passons à la phase d'implantation. Les mesures de contrôle, donc pour l'utilisation de Gromelot, on va vérifier au cours des premières années l'évolution en termes de quantité de messages envoyés pour voir si vraiment les employés l'utilisent, puis sinon, trouver le pourquoi ils ne l'utilisent pas. Ensuite, on va faire des sondages sur la satisfaction pour la coordination, donc autant au niveau du siège social que des équipes de travail. Est-ce que ce coordonnateur-là fait vraiment son travail, puis est-ce que ça va améliorer le système de communication entre les organisations? Au niveau du spectacle, on parle bien sûr de vente de billets et de vos mesures de contrôle habituelles là, pour un spectacle. Et finalement, on va faire un sondage de satisfaction auprès des employés pour l'ensemble des nouvelles mesures qui vont être intégrées dans vos sondages que vous faites 3 fois par année. Là, on va juste rajouter des questions sur les différentes plateformes qu'on vient d'ajouter. Ensuite, pour l'échéancier, bon, le bon coordonnateur, on voudrait les combler au cours des 6 prochains mois pour ensuite avoir un coordonnateur du 6e mois jusqu'à, en fait,
à l'infini dans le futur si le poste fonctionne bien, évidemment. Au niveau de l'application Gromlo, ça va s'implanter à peu près en un an, donc à partir de un an. La compréhension, pour les blind dates, on va commencer ça en environ 6 mois pour un an et demi. Par la suite, on va pouvoir ajuster en fait, la taille des groupes, la fréquence, etc. Donc, selon l'intérêt que les employés ont porté, puis à quel point ça a bien fonctionné. Et au niveau des échanges d'employés, on commence dans un an, puis ça, vous pouvez le faire à l'infini. Il y a beaucoup d'organisations qui le font, puis ça encourage vraiment le transfert d'informations. Et au niveau de la culture, pour le spectacle, on parle des deux premières années que vous créez déjà de nouveaux spectacles, donc on ne touche pas à ça, ça va être plus au niveau de la création. Puis la présentation va avoir lieu dans 2 ans, dans la fin en fait de la deuxième. Au niveau du budget, on parle d'un budget de coordonnateur d'environ 1 000 000 $ pour l'ensemble de vos spectacles à travers le monde. L'application va coûter environ 500 000 $ à développer. Au niveau de la compréhension, les blind dates, on parle de 100 000 $ par année. Puis les échanges d'employés, environ 50 000 $. Et, il y a eu une petite version, c'est 100 000 $ pour les échanges d'employés, puis 50 000 $ pour les blindés. Et pour le best-of, on parle de, encore une fois, 15 000 000 $ pour l'organisation du spectacle. Là, c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur vos coûts. Là, c'est marqué 1,5 million, c'est vraiment 15 000 $. On n'avait pas beaucoup d'estimations au niveau de vos coûts. Ça peut changer un peu, mais ça va être vraiment couvert par la vente de billets. Donc, cet investissement-là va être à relativement court terme. Et finalement, on est persuadé qu'en faisant tout ça, vous allez transformer le travail en expérience. Ça va transcender le simplement « me rendre au boulot le matin, puis faire mon travail, puis retourner à la maison le soir ». Maintenant, vos employés vont sentir un vrai sentiment, encore plus un sentiment d'appartenance pour l'organisation qui est située tout seul. On est persuadé que cette stratégie-là va vraiment répondre à vos besoins. Puis on est maintenant prêt à répondre à une période de questions. Félicitations, merci. Pour le spectacle Best of, c'est clair qu'on voit comment les artistes sont impliqués parce que vous allez les solliciter pour qu'ils présentent des numéros. Comment est-ce que vous voulez créer une synergie pour les employés qui ne vont pas être sur la scène? On pense sincèrement que vous devriez impliquer des techniciens qui viennent aussi de spectacles en tournée ou quoi que ce soit, d'essayer de mettre le plus d'employés internationaux possible au même endroit pour vraiment créer un endroit pour les rencontres, pour apprendre à connaître les autres. Donc, vraiment d'aller impliquer des techniciens qui sont autant en Chine, en Europe, à Vancouver qu'à Montréal. Et si je peux me permettre d'ajouter aussi, quant au processus de création, développement, toutes les idées, on sait qu'il y a certaines scènes qu'il va peut-être falloir ajuster aussi en conséquence, étant donné que ce n'est pas une histoire comme vous avez l'habitude de créer. Alors, toute la création derrière tout ça, ça peut être possible de créer des groupes différents à travers le monde qui vont pouvoir donner leur petit grain quant à la conception d'enfants du spectacle. Puis au niveau de l'impact potentiel, si moi je suis une cliente de Cirque du Soleil, j'adore les spectacles, puis là je vois qu'il va y avoir un best-of à chaque 3 ans, pourquoi j'irais voir un autre spectacle du Cirque quand je peux juste attendre 3 ans puis voir le best-of? On parle vraiment de deux mondes un peu différents. En fait, on parle de 16 spectacles, c'est quand même concentré pour être à Montréal ou à Vancouver lors d'un de ces spectacles-là. Puis en plus, on parle moins de l'histoire que vous créez d'habitude. D'habitude, on va voir vraiment une histoire de A à Z. Là, c'est pour les purs et durs fans qui veulent revoir leur numéro préféré. Puis pour les gens qui sont plus philanthropiques, ça va être plus facile d'aller vendre à des grosses organisations des billets un peu plus chers pour vraiment financer d'un point de vue philanthropique Cirque du Monde. Puis c'est vraiment comme ça qu'on va différencier là, les spectacles normaux de Cirque du Soleil, puis le best-of. Et l'objectif de faire ce best-of-là, c'est vraiment améliorer l'image du CIRC. Moi, j'ai entendu que vous faisiez référence à améliorer la culture. Vous voyez quoi la différence? Est-ce que c'est pour améliorer la marque du Soleil ou c'est pour un objectif pour améliorer, partager la culture du CIRC? On le voyait vraiment d'un point de vue autant à l'interne qu'à l'externe. C'est ça vraiment la beauté de la chose, qu'autant que les employés avaient vraiment la chance de participer à cet événement-là, de recréer dans le fond les scènes qu'ils avaient eu le plaisir de faire, de savoir que c'était les coups de cœur du public. Alors, de recréer ça du point de vue à l'interne et d'autant plus à l'externe que vraiment on vient chercher différents créneaux de public qui vont avoir la chance de revivre ces moments-là. Alors, c'est vraiment des deux points de vue qu'on voyait. J'ai une question par rapport aux échanges d'employés. Vous limitez vraiment à Montréal, Vegas, mais qu'est-ce que vous faites pour les employés qui sont en tournée, pour les employés de Blue Man Group qui sont dans différentes locations? Pour eux, c'est quoi le programme que vous avez à offrir?
C'est sûr qu'au niveau des échanges d'employés, on s'est concentré sur Vegas et sur Montréal parce qu'on voulait vraiment améliorer vos procédures administratives avec des employés qui sont là à long terme dans un lieu, etc. Puis, c'est plus au niveau des échanges informels entre employés, des nouvelles applications, etc., que là, vraiment l'ensemble des dans, par exemple, les tournées best-of où là, des gens vont vraiment se rencontrer à travers la tournée. C'est sûr que ça serait possible éventuellement de faire des échanges sur des spectacles mobiles. Je pense par contre qu'opérationnellement, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins toujours pareil. On arrive toujours à des scènes différentes, vous le savez, je peux rien vous apprendre là-dessus. Je pense que ça va être un petit peu plus dur à opérationnaliser, mais ça pourrait être intéressant de le développer aussi. J'aime beaucoup l'idée d'avoir une plateforme pour que tous les employés puissent discuter entre eux. Puis ma question, c'est pourquoi pas prendre une application qui est déjà sur le marché au lieu d'en créer une pour nous? Est-ce que ça serait pas plus avantageux? Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est intégrer votre application à votre site parce que c'est toujours difficile d'amener les employés à cliquer sur aller rentrer leur code, puis là, d'aller voir leur message, puis les informations. Puis, on s'est demandé comment on peut faire pour que les employés aillent de plus en plus souvent. Puis, en joignant la plateforme de messagerie instantanée avec votre plateforme complète, c'est là que vous allez vraiment avoir une vue d'ensemble. Donc, juste de leur dire, bon, allez vous connecter sur Facebook, puis écrire à l'autre. On pense que ça serait moins efficace. Par contre, c'est sûr qu'il y a probablement des applications qui existent sur le marché que vous pourriez intégrer. Donc, c'est possible de soit acheter ou de faire développer à l'externe, selon les coûts que vous trouvez. J'aimerais revenir peut-être sur le concept du blind date. Quand tu fais un blind date, tu ne connais pas ni une autre personne. Donc, qu'est-ce que ça va amener si moi je rencontre, par exemple, un technicien en éclairage, que je suis un artiste? Qu'est-ce que vous pensez qui va ressortir de cette conversation-là, de cette discussion-là? On a toujours intérêt un peu ou un certain intérêt à connaître la vie de d'autres. On est toujours des fois emballé, ah oui, il se passe ça dans ta vie. Donc, c'est un peu ça le principe qu'on voulait aller chercher. On se disait, tu sais, peut-être qu'un gestionnaire, il aimerait ça savoir c'est quoi le quotidien d'un artiste. C'est vraiment de mélanger les rôles afin de voir différentes opinions et différentes et voir aussi le rôle que la personne a joué au sein de l'entreprise. Merci. Ouais, c'est ça, la foule sort.